un dodo sur la lune. Tu crois qu'un jour, d'autres personnes que nous marcheront sur la lune? Ça va te faire bizarre, Gluglu, mais ça a déjà été fait il y a 50 ans. On a bien tous nos doudous? Monsieur Miaou? Présent. Lionel Junior? Présent. Et juste pour revérifier, Plumette, présente aussi. Paré au décollage, direction la Terre. Hé, pourquoi on décolle plus? Pigeon robot? Pigeon robot a oublié Franck sur la lune. Ne t'en fais pas, on va récupérer ton doudou. Tous au pyjama d'eau. Je l'ai. Pigeon robot, non! Yo-yo, acrobato! Par mes oreilles de chat. Oh, j'arrive, Yo-Yo! Bibou, aile de la nuit! Oups! Glu-Glu, rattrape ce doudou! Glu-Glu, méga muscle! Et voilà! On peut enfin rentrer chez nous! Je suis vraiment désolée, mais j'ai bien peur d'avoir oublié Plumette. Hein? Quelque part. La visite surprise. Vous êtes sûre que Sorceline n'est pas chez elle? Je sais qu'elle a horreur des visites surprises. Ne t'inquiète pas, Gluglu. Elle ne peut pas se rendre sur la lune sans notre fusée. Oh, wow! Ça a l'air beaucoup plus grand quand elle n'essaie pas de nous piéger à l'intérieur. Vous avez vu? Elle a mis des photos d'elle partout. Et ça, c'est du vrai cristal? Aïe! Je crois que oui. C'est reptilo-génial! Chut! Ah, je suis bien obligée de reconnaître que pour ce qui est du confort, Sorceline est juste derrière toi. Ah! Sorceline, qu'est-ce que tu fais ici? Je profite de la lune rousse. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est vrai qu'on aurait dû sonner, mais on voulait tellement voir ta magnifique forteresse. Eh bien, si elle vous intéresse tant que ça, je vous fais visiter. Oh, c'est super gentil, Sorceline, mais faut qu'on file. Vous ne sortirez pas de chez moi avant que je vous ai tout montré du sol au plafond. C'est clair? Alors ici, j'ai plein de place pour faire mes figures hyper stylées. Et c'est là que je me repose après mes longues journées de mauvaises actions. Formidable, Sorceline. Mais une seule statue de toi, est-ce que c'est vraiment assez? Hein? Bien vu, graine de piaf. Il m'en faut d'autres. Oui, c'est beaucoup mieux. À plus. Et revenez immédiatement. On essaiera d'éviter les visites surprises la prochaine fois. Disco lune. Pyja fusée, allumissage. Ça y est, les pyjamasques, on est sur la lune. Maintenant, dites-moi ce que vous mijotez, sinon je... Hein? Surprise! Hein? Joyeux anniversaire! Vous saviez que c'était mon anniversaire? Et vous avez préparé tout ça spécialement pour moi? On va même faire une soirée disco pour fêter ça tous ensemble, ici. C'est dans la pyja fusée qu'on fait les meilleures soirées. Envoyez la musique! Le disco, c'est cool! Le disco, j'adore! Ouais! Le disco, c'est cool! Le disco, j'adore! T'assures, Gluglu! Viens, on va leur montrer qu'il n'y a pas que les reptiles qui ont des styles! À toi, Bibou! Bibou, tornado! Gluglu, bouclier, écaille! Gluglu! Yo-yo, acrobasso! Yo, yo! Jouer. Pour ma démonstration, si c'est permis, j'ai besoin d'un accessoire. Waouh, trop cool! Sorceline, Sorceline, Sorceline. Souplesse. Pour finir en beauté, on va prendre de la hauteur et passer en mode apesanteur. Wouh! C'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Wouh! J'ai réussi à la démarrer. Ça va? Oh, trop tard. Vous n'auriez pas un autre plan par hasard? Eh bien... J'ai une idée. Suivez-moi, il faut qu'on se dépêche. Glu-glu, méga muscle. Bien joué. Je n'ai plus qu'à entrer à l'intérieur.
Qu'est-ce qui se passe encore? Robot Garou a dû appuyer sur un bouton. Il fait tout pour aider les pyjamasques. Attrapons-le. Aïe. Oh non, Pija Robot. Yo-Yo, Pija Robot. Fonce, Bibou. Vous l'avez échappé belle. Je crois qu'on peut dire adieu à notre QG. Reviens. C'est trop dangereux de les suivre. Il vaut mieux qu'on reste ensemble. Oui, Gluglu a raison, c'est ce qui compte le plus. Tu as fait tout ce que t'as pu pour sauver le QG, Pija Robot, mais c'est trop tard. Désolée de t'avoir mis en danger. Ah oui? Tu crois que tu peux reprendre le contrôle du QG? Il est trop loin. On peut pas l'atteindre. C'est un plan qui semble super risqué. Mais j'adore ça. Compte à rebours, 3, 2, 1, décollage. Ok, Pija Robot, commence la transformation du QG. Pleine puissance. C'est un trou creusé par quelqu'un. Oh. 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 Il est vraiment profond. Vous entendez? Oreille de chat. Quelqu'un est bien en train de creuser en bas. Robot doit trouver le cristal de lune pour mon maître. Ah! Je me demandais si les pyjaminus allaient pointer le bout de leur nez. Roméo? C'est toi qu'on a vu voler jusqu'à la lune? Oui, j'ai simplement rajouté quelques fusées à propulsion à mon labo et hop, me voilà, sur la lune. Il ne me reste plus qu'à trouver un cristal. Grâce à ça, je pourrai rendre mes gadgets surpuissants et devenir le maître du monde. Bonne idée, maître. Mais tu vas détruire la lune, Roméo. Ma lune adorée que j'aime tellement. T'inquiète. Compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Parfait. Pija Robot, commence la transformation pleine puissance. Prochain arrêt, la lune. Vous allez voir, on va foncer à toute allure. Vous êtes sûr de vouloir aller jusque là-haut? Si ça se trouve, Sorceline veut nous tendre un piège. Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance. C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil. Bah alors, t'as perdu le goût de l'aventure? Ça va être génial. Qui sait ce qu'on va découvrir? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Glu-glu. Tu as calculé notre trajectoire? Lulu? Hein? Oui.
trajectoire calculée. Nous sommes parés. Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune. Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter. Pas même les pyjamas machins. Tiens, un vaisseau totem en balade. Quoi ? Pourquoi tu viens nous embêter, le chat de gouttière ? Je suis en colère. Parce que vous avez abîmé tout notre projet d'art plastique, piétiné notre librairie et démoli notre aire de jeu. Oh, on dirait que notre petit chaton a les babines toutes retroussées. Tous les enfants de la ville sont déçus. Pourquoi vous leur faites ça ? Les farfelous n'ont pas de compte à vous rendre. Oui, on fait ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut. Cette aire de jeu est à nous. La ville entière est à nous. Ouais, c'est pour ça qu'on y a mis le bazar. C'est ça ? Et parce que ça nous amuse. Ouais, comme ça les autres ne peuvent pas s'amuser. Parce que les autres ne font pas partie de notre meute. Ça a assez duré. Yo-yo rapido, hein? Wow, rapide comme l'éclair, hein. Vous êtes prêts, les farfelous? L'air du jeu est à nous, cette ville est à nous. Et la voiture de Misty Gris aussi. Mais elle est à moi. Non, tu ne fais pas partie de notre meute. Vas-y, Scarlou, fais hurler le moteur. Robot, active la navigation à distance du chabolide. Non, hein? On a déjà conduit nos véhicules à distance avant, mais... Jamais avec trois espèces de méchants déguisés en loups au volant. On va trouver une idée. Non, pas le temps. Ils ont déjà mis trop de poils sur mes sièges. Pigeon robot, prends le contrôle du chabolide. L'esquelette. Tu crois que cet os va ici? Et celui-là, il va là, non? Et le petit, là-haut. Ici. Là. Là. Ici. Et là. Non, non, attendez. Ces petits bras, ce sont ceux du T-Rex. Et les ailes géantes sont celles du ptérodactyle. On va y arriver. C'est un peu comme si on faisait un puzzle géant. Voilà. Terminé. Par mes écailles. C'est pas tout à fait ça. Un dinosaure pareil, ça n'existe pas. Hein? Où sont passés les farfelous? Hein? Oh-oh. Hein? Waouh! Le tatos est en train de s'animer. Des griffes pointues, des mâchoires tranchantes. Vous avez vu? On dirait un très très vieux loup. Hein? Ah bon? Les loups ont des ailes? Non, petit loup. À part les ailes, mais sinon, on dirait vraiment un loup. C'est mon nouvel animal de compagnie, le farfelosaure. Hé! Hey, descendez! Ces os datent de la préhistoire! Ça veut dire qu'ils sont vieux! Waouh! C'est trop énorme! Yo-yo, rapido! À moi! Hein? Voyons s'il peut hurler comme nous! Donne-moi ça! Non! C'est qui le gentil toutou? Oh oui, c'est toi, hein? Glu-glu, qu'est-ce que tu fais? Où est le petit robot? Je l'ai repeint en couleur des pyjamas. Il se plaît beaucoup ici. Il a joué avec le pyjama scanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond. Explorer le QG? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui? Mais non, c'est nous qui avons la télécommande. Il en a fabriqué une autre. Et elle est gigantesque. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous. Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut. Il fera ce que Roméo lui dira. Comme par exemple, détruire le QG. Détruire notre QG?
Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande géante. Et si Roméo réussit quand même à le contrôler, on peut essayer de le récupérer avec sa... Une bataille de télécommande? Allez, ça se tente. Venez, on y retourne. Bon, d'accord, mais... T'as raison, il est cool le chabolide. Ce serait sympa d'avoir un pigeon robot dans notre équipe. Tu crois qu'on peut empêcher Roméo de le reprendre? J'espère que oui. On va faire de notre mieux pour que le pigeon robot reste de notre côté. Mille reptiles, elle est énorme. Toi mon petit, reste ici. Yo-Yo, tu vas activer ton mode rapido pour... Oh, oh non, c'est trop tard. Quel panneau. Vous êtes coincés, les pyjaminus, pris dans les rayons du générateur de champ magnétique. Mais nous, on croyait que c'était... une méga télécommande pour robot. Vous êtes tombés dans le panneau, tout comme avec mon mini-robot, si mignon, tellement adorable. J'étais sûre que vous voudriez le garder, et donc, j'ai construit une fausse télécommande et j'ai attendu que vous tombiez dans mon piège. À vous de jouer. Blue Glue monte collante. Hein? C'est quoi ça? Pigeon robot. Je m'étais dit, si les pyjamas que libèrent Tatour Autom, le maître n'aura plus le pouvoir et reprendra robot. C'est bien d'avoir fait appel à nous. On va pouvoir s'entraider. Pas la peine. Cette fois-ci, je vais vraiment montrer à Roméo ce que c'est des méga muscles. Attends, Gluglu, il est trop fort. Allez, Gluglu, fais-lui une petite démonstration de force, signée Tatour Autom. Je veux dire, signée Gluglu, bien sûr. Oh, oh! Tu vas vraiment oser t'attaquer à moi tout seul, petit étard sur pattes? Oui, même pas peur. Gluglu, bouclier, gars! Va toucher mon turbo labo avec tes pattes gluantes ou mon tatou tonnerre va te le faire payer. Hein? Wow! Attends!
tunnel au sud. Glu, glu. Ça va, Kinaria? Roméo nous a échappé en creusant un tunnel. Et oui, vous aviez raison. Il est devenu trop fort. Je ne peux pas l'arrêter avec mes muscles. On n'est pas perdu. On va utiliser notre cerveau pour l'arrêter. Mais comment? Il est sûrement déjà loin. On ne te laissera pas faire. Vous dites toujours la même chose. Regardez un peu. Ah si, Lionelosaur. Maître, votre labo. Pourvu que je ne les ai pas oubliés dans le labo. Ah, les voilà. Mini Gloops. Ah, oh, dans les bras, mon Lionel chéri. Cours toujours, tête de tétard. Super, il est redevenu aussi monstrueux qu'avant. Bibou, prends les mini Gloops. On s'occupe de Lionelosaur. En avant, Glu-Glu. Yo-Yo, attends. Ce n'est pas un monstre, voyons. C'est Lionel, mon copain. Plus maintenant. T'as vu la taille de ses dents? Laisse-moi lui parler, je vais arranger ça. Ferizette, mon loulou Lionelino. Tu vois, il me reconnaît. Ça ne l'empêche pas d'écraser tout ce qui bouge. Oh! Non, il a juste envie de jouer. Bibou, rattrape-le! Bibou, tornado! Glu-glu, méga muscle! Beau réflexe! À moi! Yo-yo, rapido! Je suis là! Glu-glu, méga muscle! Vous voyez, il a beau peser au moins 2 tonnes, c'est toujours mon loulou Lionelino! Bon courage pour le porter quand il aura 5 tonnes! Bibou Tornado! Il faut qu'on s'y prenne autrement. Suivez-moi! Mais... Oui, tu nous as eu une fois, mais pas deux. Livraison pour maître. C'est robot! Vite, vite, vite! Petite peluche, regardez un peu ce que je vous réserve. Mon incroyable machine a transformé les doudous. Génial de tous. Maître. Coucou copain, c'est moi ton doudou. Inverse le processus. Hein? On va oublier tout ça, d'accord? Alors, où j'en étais déjà? Ah oui. Je suis le plus génial de tous. Alors c'est pour ça qu'il vole les doudous de tout le monde, pour faire des poupées à son effigie. Non. Il y a un problème, Yo-Yo? Non, non. On devrait se cacher derrière le labo de Roméo pour le surprendre. Bonne idée. On ne va pas le laisser faire. En avant. C'est quoi ce bruit? Non! Hein? Revoilà les pijanouilles! Je te tiens! Non, pas Monsieur Miaou! Hein? Allez, ça vaut le coup de tenter! Oups, je suis allée trop vite! Allez, Yo-Yo, tu peux y arriver!
la belle vie. Ah, enfin! Bienvenue au club, Yo-Yo. Oh, c'est la plus belle nuit de ma vie! Encore quelques scintillunes et tout le monde sera ensorcelé. Psst! Glu-glu, Bibou, c'est moi, c'est Yo-Yo. Vous me reconnaissez? Yo-Yo, votre ami. Pitié, les copains, réveillez-vous, là! Allez! On est les pyjamasques, vous savez bien. Vous vous rappelez la fois où Roméo m'a rétréci? Et la nuit où on a sauvé Noël? Essayez de vous souvenir, on est une équipe! Pyjamasques, vive les pyjamasques! Je vous en supplie, faites un petit effort! Pyjamasques, vive les pyjamasques! Pyjamasques, vive les pyjamasques! Car la nuit, on poursuit les petits bandits! Oh, j'ai toujours pas de rime en i! Génial! Vous êtes revenus, ouf! Je suis désolée d'avoir joué avec les scintillunes sans faire attention à vous. Je me suis laissée emporter. Mais je vous promets, je recommencerai plus jamais. On ne t'en veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je rêve, vous viennent de se dédoubler. Goûter un équilibré mais avec de la glu. Mouahaha! Oh non, c'est un vrai pot de colle ce ninjaka. Prochaine cible, direction le gymnase. Mille reptiles, on est fichu. Bibou est notre meilleure joueuse, sauf que elle n'est plus dans la course. Ils ont gagné du terrain, mais je vais me remettre sur pied. Allez, tous au gymnase. Pour le jeu de jambes, ça va être un peu compliqué. J'ai toujours mes mains. Je peux plus être attaquante, mais il me reste gardien de but. En avant pour la deuxième mi-temps. Hein? Les ninjas oifs sont trop nombreux. Et Ninjaka mijote quelque chose. Regarde. Hein? Va voir ce qui se passe. Moi, je rejoins Bibou. Cuisse de grenouille, on dirait que tu ne peux plus te passer de moi. Désolée, mais il faut que je me sauve. Hé, hey, reviens. Wow, il a l'œil sur tout quand il est en haut. Cette contrainte, c'est vraiment pas du jeu. Hein? Pas de panique, je suis là. Dommage pour vous, je ne compte pas bouger d'ici. Hein? Forcément, t'es cloué sur place, ou plutôt collé. Vous êtes prêts, les ninjas ouaves? Tous au gymnase pour les tirs au but. Énigme numéro 1. Je brille et je pousse dans l'air et l'eau. Faible est ma lueur, mais on me voit de haut. Et c'est reparti pour un casse-tête. Qu'est-ce qui aurait besoin d'eau et d'air pour pouvoir pousser? Oui, une fleur. On la trouvera peut-être en allant voir plus haut. Hop. Oh, un nénuphar qui brille dans le noir. Ouais. Youhou. T'as la classe quand tu voles. Merci, c'est grâce à mon super looping. Je maîtrise bien, pas vrai? C'est marrant finalement. C'est quoi l'énigme d'après? On dirait une espèce de carte au trésor ninja. Et avec une croix pour marquer l'endroit à trouver. Il faut faire vite avant que les ninjas ouaves détruisent la ville. Heureusement que je suis là pour donner un coup de main. Ou plutôt devrais-je dire, un coup d'aile. Qui va voler vers la victoire? Moi! Foncez les garçons, descendez la rue principale, tournez à gauche. Tu m'as fait une de ces peurs. Alors, vous avez résolu la première énigme. C'est juste un coup de chance, vous ne gagnerez jamais. Oh, si seulement mes ninjas ouaves pouvaient voler. C'est bizarre, les ninjas ouaves n'ont pas l'air de se creuser la tête sur les devinettes. C'est vrai,
Tout ce qu'ils font, c'est nous suivre. Ils essaient de tricher pour nous battre. Venez. Moi. Tu es sûre que le trésor est là? Oui, sûre et certaine. Yo-yo, rapido. Rien du tout à l'intérieur. Peut-être au sous-sol. On était là avant vous. Yo-yo, rapido. Glu-glu, méga muscle. Bingo. Un coup d'aile, sans problème. Quoi? Maintenant, dépose-moi pile poil sur le boulet. Doucement. Ça va aller, je maîtrise. Voilà. Bien joué, Yo-Yo. Pendant que tu t'occupes de celui-là, je vais aller aider Glu-Glu. Maître, Yo-Yo va arrêter le boulet. Il essaie. Oh non, oh non, oh non, oh non. Et à mon tour de jouer au flipper. Et je vais marquer des points. Glu-glu méga muscle. Non, plutôt glu-glu main collante. Glu-glu. Ça va, glu-glu? Sauf que j'ai la tête qui tourne un peu. Peut-être que finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Ouf, il était temps que ça s'arrête. Yo-yo, attention. Bien tenté, le chat de gouttière. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Mes fidèles sujets vont venir vous rejoindre sur la Lune. Tu as des fidèles sujets? Laisse tomber, Glu-Glu. Bon, ne bouge plus. Attention, Whistiti. Oh que non, j'ai pas l'intention de rester ici. Tu veux qu'on parie? Glu-Glu, sauve-toi! L'animal métamorphoso. Il me permet de transformer n'importe qui en n'importe quel animal. D'accord, mais pourquoi faire? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un zoo à moi. Et robot, d'avoir un petit compagnon. Alors j'ai décidé de transformer tous les habitants de la ville en animaux. Hein? Oh, merci. Et quand ce sera fait, je serai le maître du monde. Ça n'arrivera jamais. Ah non, tu veux une preuve?
peux le garder. Je peux, s'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à une seule condition, c'est que tu t'en occupes. Tu devras le nourrir, changer sa litière. Je le ferai, maître, promis, juré. Roméo, fais-moi redevenir comme avant. Alors que je viens de te donner un robot. Voyons, tu rêves. Et je n'ai pas que ça à faire. Je dois récupérer un lézard et un hibou pour mon zoo. Par ici, cuisse de grenouille. Allez, viens. Je vais délivrer Yo-Yo. C'est trop dangereux. Si Roméo te change en lézard, je me retrouverai toute seule. Il faut trouver une ruse. Ah, le meilleur ami du robot. Mauvaise idée, robot. Même sans mes super pouvoirs, je reste assez rapide pour m'échapper. A plus. Oh non.